Ah, pour le coup, on a vraiment un job de merde. Vous avez vu les gars quand même, hein, on pouvait le faire. On va avancer un petit peu. On va avancer la construction de la voiture, tranquille, ok. Et on va y retourner une fois qu'on aura... Allez, fait démarrer la voiture, on va retourner pour commencer la custom. On va pas faire tout d'un coup. On va y arriver au bout d'un moment, on va y arriver. Donc, revenons un peu sur cette bagnole. On a posé la batterie à l'arrache, on a posé le câblage pour les bougies, la tête de Delco, je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Qu'est-ce qu'il nous faut comme vis, comme boulon, comme clé? Voilà. Alors on peut débrancher le téléphone, mais vu qu'on attend les pièces, enfin la pièce du coup, voilà. Prions pour qu'il n'y en ait que 4, au pire on va remonter. Il n'y a que les 4, hein. Il n'y a pas d'autres. Ça je sais pas ce que c'est, on le met pas. Je rigole, je sais pas ce que c'est un liquide de direction, je sais pas. On peut raccorder les durites de refroidissement qui sont ici. Est-ce qu'elles doivent être serrées, je sais plus. Bon, je sais pas d'où elle part, à laquelle va où, franchement là. Déjà en réalité c'est un peu la merde ça. Alors dans le jeu, là, voilà, ça se sert ça? On va toutes les placer et on verra après. Voilà, voilà, ça me paraît logique. Hein, tournevis, on va voir si on peut faire quelque chose. Il y a rien les gars, les durites ne se servent pas dans le jeu. Le starter, starter. What? Ok, le démarreur, c'est le seul truc que moi je démonte de ma voiture. Ok. Le maître cylindre, s'il vous plaît, qui vient se positionner, ou peut-être là. Non? Oui. Ah, dans la réalité, il est là, donc... voilà. Et qui vient se serrer avec... Sérieux? Donc il va y avoir un système de durite à relier et à serrer. Hein. Je sais plus où il est là. C'est ce système, je crois. Qui vient de ce côté, il me semble, je sais plus. Non, ou à côté de l'autre. On est quand même sur la dernière ligne droite. Hein. Vous inquiétez pas. En même temps, c'est parce que c'est dur qu'on prend du plaisir aussi. Ça passe. Là, on est bien, les gars. Vous vous rendez pas compte, mais franchement, on a fait une avancée pour ceux qui étaient là hier. Quand on a monté les premières les roues, parce que la carcasse était à l'extérieur. Non, non, non. Une évolution, mais attention. Hein. Je pisse. Vu que chez moi, je pisse au shot quand même. Olé, un protégé hier lors du démarrage de son bolide. Le bolide. Oui, allô? Allô? Ouais, je pisse sur le tapis. Je te rappelle. Donc ça, c'est pour le bois. Alors, il faut le fixer tout ça, évidemment. Donc fixer la ligne d'échappement, c'est relié au collecteur, évidemment. La patte de fixation, c'est... oui, celle qui lâche à chaque fois que t'achètes ta première voiture, toute dégueulasse. Style 205 Color Line, pour ne viser personne. Je me vise moi-même, en fait. Hein. Ok, c'est cette patte-là. C'est celle qui rouille en premier et qui lâche, qui fait que ton silencieux, il traîne par terre après. Alors, le problème... Il faut pas faire d'erreur parce que je vais remplir les liquides là, je pense, ok? Et si je remplis les liquides... Si je remplis les liquides et qu'on a mal vissé un truc, on va perdre du liquide. Et si on perd du liquide, on perd du temps et de l'argent, ok? Alors... Qu'est-ce que tu connais sans nous? Même si je connais rien à la mécanique. Non mais c'est vrai, votre soutien, hein. Ça soutient les gars. Juste votre présence. Et au moins, si je fais de la merde, je dis ouais, les gars, personne m'a dit que j'ai fait de la merde et tout. Et je renvoie la faute sur vous, c'est ouf pour moi. Je vais laisser ouvert. On va foutre des liquides là-dedans, là. Ça va le faire. Je vais la prendre comme ça. Comme ça, je vais directement la retourner. On est bien de ouf. Il va y avoir un premier démarrage dans très peu de temps. Bon, là, on a même le frein. Franchement, à la base, je voulais pas monter les freins. Mais je me suis dit, tant qu'à faire. Autant faire les choses entièrement. Entière, ça va dire. Ok, donc tous les liquides sont ok. Je sais pas si je mets le filtre à air de suite ou pas. Il doit se serrer aussi, le filtre à air. Comment? Il y a deux vis à l'arrière.
Et je peux quand même accéder. Donc on va le serrer. On va le serrer. Toujours le stress quand tu la démarres pour la première fois. Et même après, il y a des trucs, des fois, ils pètent pas de suite. Un mauvais serrage, ça met quelques temps à péter. Je vous le dis. Ne soyez pas surpris. Attention. C'est parti. Point mort. Ah oui, y a pas d'essence. Ivre, il essaie de démarrer sans mettre d'essence. LOL, qu'est-ce qu'on rigole. On reteste, c'est parti. Elle cale déjà. C'est très bien. Et il va y avoir un parallélisme à faire, il va y avoir les choses, vous inquiétez pas, mais il faut sortir. Petit réglage au niveau du carbu, augmente le ralenti. S'il vous plaît les ailes. Ah ok. Je vais pas poser trop de pièces sans les visser, il y a tout qui se barre en fait, c'est ça le délire. Bam. Comment on l'ouvre par contre le capot? À la main ou de l'intérieur? On peut même la repeindre d'ailleurs, entre nous soit dit, on peut la repeindre. Je sais pas si on peut le faire ça. On est sur un truc ou pas? Boom. Ouais, c'est un peu vieux comme style, mais c'est déjà en temps de toute façon. Hein. Notre objectif c'est d'en acheter d'autres. Hein. Travailler demain pour en acheter d'autres. Ça se trouve, on va faire 3 mètres, il y a un truc qui va se barrer, genre la boîte de vitesse, elle va tomber ou quoi, on sait pas. Hein. Blanc, ça pourrait le faire, ouais. Moi, c'était pour faire un rappel avec le toit, vous voyez. C'est moche, ouais. Les gars, on commence à faire de la merde, ok? On a une belle voiture, on va aller sauvegarder, on va la custom demain, ne vous inquiétez pas. Tout va continuer, et surtout, on va devoir travailler un petit peu, mais ça va être facile. Vous allez voir, ça va le faire. Franchement, on part. On part avec le camion. On vient jusqu'ici, on prend à manger, à boire. On passe par là. Boum, on y va. Je tousse. On continue. Boum, on vide ça, en espérant que ce soit pas du bois, parce qu'il y en a qu'on appelait pour le bois. Et on fait tout ça en allant chercher le colis. À la ville, on vide aussi deux réserves, là. On se met bien de ouf. Et on fait tout ça avec le camion, et franchement, on va pouvoir s'acheter. Ben, regardez, c'est simple. Je vous tease un petit peu. Donc déjà, on peut mettre des béquets, et les espèces de caches, là... soleil de plage arrière, mais bref, j'en sais rien ce que c'est. Le capot ventilé, le kit élargisseur et comment on appelle ça devant là, la bavette là, enfin bref, le truc qui rabaisse un petit peu. Le colis, bien sûr, on ira le chercher. On a commandé juste cette petite merde là, le tac à spoiler parce qu'on n'avait pas de sous, mais on va en avoir. Et regardez ça, il nous suffit d'avoir 1519 pour acheter la première paire de jantes et 1575 pour la deuxième paire de jantes. Easy, Titine va enfin voir le jour. Normalement, elle roule, il y a les freins, il y a tout. Il va pas falloir me casser les couilles longtemps par contre. Je vais le débrancher là, il y a trop d'appels. Le post order. Mais on me l'a déjà dit ça. Comment ça c'est qu'il me le redit la commande? Ouais, faudrait qu'on aille chercher la commande. Mais on va essayer d'y aller avec la voiture, non? Comme ça on lui met le plein et tout, on se met bien. Bon allez, let's go. Ah, elle tourne de ouf, hein. Ok, elle vire à gauche, mais de ouf. Ça se voit là comme elle est tordue ou pas la roue? Ouais, elle part clairement à gauche. Que cette roue qui part à gauche en fait. Mais non, mais c'est nimp, putain. C'est pas grave, je vais la redresser, vous inquiétez pas. Ça va, c'est rien les gars, vous avez jamais eu une voiture sur le dos ou quoi? C'est ouf ça.
Merde, je voulais pas pisser dessus, putain, je voulais la pousser. Stop, dit-il en pissant. C'est la première fois qu'on sort avec la titine. Trop content. Après des jours et des jours de construction. Enfin. Alors ce qu'elle vaut, elle tire toujours à gauche, là, je vous le dis. Elle roule quand même. Hein. Si je sors de la route, je suis fichu. Hein. Elle ressortira pas, elle. On est bien, hein, franchement. C'est confortable. Et l'autoroute. Non, parce que voilà, après, son endroit de prédilection, c'est l'autoroute. Hein. C'est pas une voiture qui est faite pour les chemins, ça. Là, elle donne tout. Ça se voit pas comme ça, mais elle donne tout. Oh là là. Oh là là. Et oui, là, il y a son âme de sportif qui ressort. Dans le virage. Elle l'a senti. Il est tard, j'ai peur que le magasin soit fermé. Hein. Donc là on a fait le grand virage, c'est pas la première, c'est la deuxième. Il y a que 4 vitesses par contre. Hein. Oh, oh putain ça pue. Vite, 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 vite. Trop dur à gérer. C'est pas la route qui est penchée, c'est moi. Je vous dis, vu que je suis monté quand, dans la voiture quand j'étais pas à plat, ben mon perso est pas à plat dedans. Il est comme ça. Oh putain de merde, non, non. Non, 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 non.